on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Wildmender avec Broudaf. Coucou Broudaf! Coucou, comment vas-tu? Ben je vais bien, écoute, j'assiste à un lever de lune qui est fort joli, et si tout va bien et que je ne me casse pas la figure, je devrais pouvoir atteindre un hôtel. Et du coup, ça devrait être plutôt pas mal. Qu'est-ce du silex? Alors, un peu de la jade. Fleur d'étoile tombante ancienne fraîche. Ouh. Alors, puis-je parler à cet hôtel? Que nenni? Alors, il me faut du bois, du gland et des essences pour réparer ce portail. Bon, on va aller chercher ça dans le coin. Que nenni, je ne peux pas parler à cet hôtel. C'est une arnaque. Il a un petit portail au moins, pas très loin, ou je vais devoir rentrer à pied encore? Cette histoire. Bon, j'ai le bois, il me manque le gland. J'ai encore un petit faux follet là où je suis, si tu veux. Oh, petit faux follet, des petits faux follets, ouais. C'est la tombe que j'ai activée tout à l'heure. Oui, c'est la solaire, ça, c'est celle que j'ai activée tout à l'heure. Ah bah non, c'est une autre stèle solaire. Ok. Bon ben on a gagné un souvenir. Ben oui. Graines de sorcebois, tiens, c'est nouveau ça. J'aurais dû rentrer à la maison pour la récupérer le gland, ça aurait été plus rapide. Ouais, des fois c'est dur de savoir si ça va être facile ou pas d'avoir des ressources. Ma cocotte a faim, ma cocotte a faim, elle mange. La cocotte a faim. Oui, ma chouchou virtuelle. Alors... Ah bah j'ai encore le sac plein. Oh
Moi, je trouve le mien un peu vide, mais vu que je suis morte et que j'ai déposé des trucs et que j'ai donné à manger au bleu follet, je ne sais pas quelle est la proportion de j'ai vidé mon inventaire et j'ai pas tout récupéré ou juste. Je sais plus rien dans mon inventaire. Ah, c'est escarpé ces petits chemins là. Voilà, j'ai trouvé le gland. Pouvoir retourner au portail et le refaire. Ah, ils ont changé les champignons brel. Avant, il y avait une durée de vol d'indiquer, c'est tout. Et là, il y a une durabilité. Et même quand tu t'en sers pas, la durabilité descend. Ah! Faudra qu'on se fasse une excursion à un moment pour vider les avant-postes qui sont des spectres. Ouais. Alors là, il faudrait une deuxième graine de source bois et du rouge. Et on aurait un nouvel hôtel, une nouvelle tombe à faire. Et... Mais je n'ai pas le truc de source bois donc. Voilà, un nouveau petit portail de fée. Ah, crotte, j'ai pas de gland. T'as le même souci que moi. Tout à fait. Après, les portails... On a fait tous ceux qu'on voyait sur la carte, j'ai l'impression. Ah non, c'est qu'ils apparaissent pas quand ils sont brisés. Faut que j'aille sur cette carte-là, voilà. Et là, je vois qu'il y en a un... Le portail pissenlit. Oh, pissenlit. À côté du portail tigre. Voilà. Alors, hop. On récupère le mana. Ouh, crotte. C'est pour rouvrir le portail là. Non, mais je veux des glands, moi, des glands, des glands. Ça peut pas être rare, les glands. Faut être à côté des bons arbres pour les avoir. Ouais, j'ai un gland.
Oh, il y a un petit bleu follet, qu'il est beau! Ah, j'ai pas assez d'eau. Ben, je reviens, petit bleu follet, maintenant que j'ai mon gland. Surtout, tu bouges pas. Oui, surtout, tu bouges pas. Ah, j'ai du gland, mais j'ai pas de bois. Sérieux, quoi. Là, le bois, t'en trouves partout. Ben oui, sérieux. Sérieux, non mais. Voilà. Pareil pour aller ouvrir l'autre portail. Enfin, s'il demande bien la même chose, quel que soit le portail. Je veux pas des fibres végétales, je veux du vrai bois. Du vrai bois, donnez-moi du vrai bois. Je vais aller casser un arbre. Quoi? J'ai faim encore? Mais tu peux arrêter d'avoir faim. Allez, prends-moi tout ce bois. J'active le portail et je reviens avec de l'eau pour mon petit feu follet. Je suis en train d'accélérer la croissance des cactus qui sont à côté de la statue de la panthère là, j'ai plus le nom. Oui, de Nayar. Naya. Première étape, je remplis mon autre. Voilà. Deuxième étape. Je regarde un Voilà, petit peu. portail pissenlit, il est fini. Il y a celui-là, portail grue, qui est assez loin à faire, mais qu'on pourrait faire. Ce qui est un petit peu nul, c'est que j'ai l'impression que c'est pas commun les portails. Et sinon, il y a le portail digital, là, en plein milieu d'une zone de montagne. Je vais aller m'en occuper. C'est quand même assez cool. Ça pousse assez bien sans nous. Les plantes là, avec le fait que la source elle a grandi. Ouais. Oui, quand ils sont dans la prairie, ils sont en zone humide, donc ils n'ont pas besoin qu'on les arrose Ouais. normalement. Ça va, le chemin pour l'instant, il est encore dans la pénombre. Mais là, il va falloir que je passe au soleil. Alors, il fallait quoi déjà? Oui, je sais, je suis pas à l'ombre, mais je suis dans la petite source, qu'elle est trop mignonne. Ah, du cuivre. Pour refaire un peu les stocks. Je plante ça. Est-ce que j'aurais pas du cactus à planter? Non, hein, c'est bien ce que je craignais. J'ai tout bouffé mon cactus. Il doit y avoir du cactus qui est presque prêt à la maison, qu'on pourrait replanter. Ouais. Ah, et je vois que j'ai un parchemin. Hop! Ah bah merci. Un
petit souvenir. D'avoir des cactus sauvages par là en espérant qu'ils puissent être récoltés. Non, pas encore. S'ils peuvent pas être récoltés, pense à faire le champ de croissance. Ah oui, tu divises par deux le temps restant pour la récolte. Et hop, un portail de plus. Et un succès qui va avec. Oh. Ah, moi aussi j'ai un parchemin. Et j'ai une tombe ici, alors est-ce que j'ai de quoi l'activer? Non, il me faut des lys. Pas maintenant que j'ai le portail. Alors, on va aller rechercher les lys. Alors, on va refaire le plein de flotte. Hop, il y avait un fruit de cactus de près ici. J'en avais looté un, donc ça en fait deux. Ah bah je vais aller faire Replanter. Un petit symbole de soleil. Ah non, j'ai mangé. Oh, mais quel idiot. T'avais faim? Même pas spécialement. Bon, j'étais pas à fond en bouffe, hein, mais... Bon, j'en ai quand même replanté un. Alors, du coup... Ce que je vais faire... C'est pour une fois, je vais crafter. Et du coup, je vais faire une pierre de symbole. Un deuxième. Que je vais mettre. Ah, le lys, il a soif. Ici. Ah, mais j'ai faim. Non, mais t'exagères. Pourquoi t'as toujours faim, cocotte? Allez, dans 5 heures, celui-là, il est adulte. Bah écoute, je peux manger ça. Et je peux celui-là, aller. Celui-là, c'est dans 2 heures. Je remplis mon outre, je bois. Et ça va tout. Les lys sont presque prêts. Hein. Oh. On va pouvoir valider cette quête. Et du coup, ici, je fais un symbole de soleil. Pour réduire les dégâts et la perte d'eau causée par le soleil et le vent. Comme ça, pour protéger un petit peu notre auvent. Je t'ai entendu te téléporter. Eh oui, je vais aller voir
la petite tombe. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, faudra aller parler aux fantômes à la nuit tombée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Hop. Et mince, j'ai pas pris le bon téléporteur. C'est problématique. Alors, je cherche de l'ambre. Parce que j'ai plus de... J'ai plus de points pour me téléporter. Ah si, j'ai peut-être assez, mais bon. Je vais revenir à pied. Tant pis. Du coup, ce que je vais faire, c'est une pierre de symbole. À nouveau, je vais la mettre par ici. C'est pas si mal. Par là, je voudrais englober ça. Je voudrais englober les cactus. Les cactus sont là. Voilà. Et je voudrais la transformer en symbole de fleur. Améliorer la récolte. Ce serait bien de nous mettre aussi des pierres de protection. Oui. Parce que la récolte, on récolte quand même pas mal, hein. Oui. Hop, de la fibre, encore de la fibre. Je vais manger ça et boire. Ah, tu les as ramassés. Ah, tu les veux ? Non, non, c'est parce que je les avais vus de loin, alors j'étais là, je fais bah merde alors. pif, paf, pouf, j'ai que 13 points d'énergie, ça m'embête un peu. Alors, je vais... Ah, on a un copain là. Enfin, un copain capot. Copain capot. Pas copain. Là, hop. On a un copain. Un copain méchant, j'imagine. Voilà. Bien, je vais pouvoir retourner voir le fantôme. Ah oui, il faut... Ah, je pensais le planter là, je vais le planter ailleurs. Voilà, j'ai planté notre gland ancien. Et on a gagné un petit souvenir. Et oui. On a deux souvenirs d'Arcane. Mais d'Arcane... Ah, on pourrait faire pouvoir des graines. Allez hop, je te mets ça. Apprenez à canaliser le pouvoir des graines communes pour créer de puissantes grenades et des tonifiants améliorés. Oh, des grenades!
Ouais, et mélodie végétale, alors attends. Ouais, c'est 4. En esprit, c'est 4 points qu'il nous faut, ouais, on en a c'est 2. cher, hein. Ouais, un peu, ouais. Ah, tu nous as fait la quête plein les yeux. C'est cool. Et bah du coup, on a nos 4 points d'esprit. Bah ouais. Alors, compagnon, meilleure compréhension de vos amis du règne animal, mélodie revigorante, avec l'aide de Naya, utiliser des étincelles de vie pour sauver les plantes mortes. Puis Pierre, on l'a fait. Et source en éveil, améliorer votre source grâce à un rituel et puiser davantage d'eau des profondeurs du monde. Je pense qu'on va prendre celui-là. Je crois que je me suis pas TP où je voulais me TP. Ah si. On peut faire un terrier de pangolin. Oui, on en a un de pangolin en plus. Enfin, je l'ai pas encore ramené, du mais. Silex, du grès et de la et du bois donc. Ah bah parfait, coucou toi. Une source mystique, c'est toujours bien. De l'eau magique partout. Ah, j'ai pas de grès, j'ai pas de silex. On en a du grès, du silex. Oui, bah oui, je me doute bien qu'il y en a partout. Juste jusque là. Coucou, bleu follet, coucou, coucou. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Ben non, c'est pas bête. Alors, je peux te donner des fleurs de lys, oui, ça me va. Des gousses pourries, ben oui, je te donne des gousses pourries. Je peux te donner ça, ça je t'en donne pas, ça je t'en donne. Ah oui, j'ai ça et j'ai ça. Ok. Ça, je te donne pas. Ça, je te donne pas. Et ça, je te donne pas. Ce qui fait que je te donne quand même des choses, hein. C'est ta faim. Je peux te donner un peu plus de ça. Ça fait 32. J'ai pas envie de te donner ça. T'as vu notre maximum de points de magie là, il a augmenté. On a 56 maximum maintenant. Ah cool. Oh, oui. Voilà. Petit bleu follet. Et je vais essayer de te ramener chez nous, petit bleu follet. Déjà dû te prendre, petit cactus. Alors, hop. Ok, le portail est là. Va falloir grimper. Du silex, c'est top. Ah, j'ai un autre portail là. Je les ai tous les deux, ok. Du bois, parfait. Grès, parfait.
Et il est censé avoir une source par là. Par là étant quelque part où il faut que je grimpe. Grimpe. Voilà, grimpe. Oh, c'est trop joli, il y a une aurore boréale. Ah oui? Ouais. Prends un screenshot. Bah ça sera dans la vidéo. Mais oui, je peux prendre un screenshot. Alors... Bah du coup, je sais pas où est passé mon bleu follet, il me suit pas. Il est censé avoir une source juste par là. Je suis censé être plus ou moins dessus. Allez là. Hop. Ah, il manque 2 grès, sérieusement. Je... Je crois que je suis déjà monté en haut, celui-là. Ah si, le bleu follet il me suit, c'est juste que... Il a des toutes petites papates. Alors... Ah bah il y avait déjà à voir, ok. Pas de gras ici. Ah, ça doit pas être du grès là. Non, des herbes. C'est pas que j'aime pas les herbes, hein, mais... Là, tout de suite, maintenant, j'aimerais du grès. Alors... On va commencer à aller explorer chez les méchants. Ici. Plutôt. J'ai rien vu. De l'obsidienne. Sérieusement. Du granit. Ouais. On va en avoir besoin d'obsidienne pour améliorer notre fourche et notre... Enfin, notre bêche et notre faucille. Et moi, je veux du grès. Du grès. On en a plein à la maison. Oui. J'aurais dû en prendre un peu avant de partir. Tu vas voir, dans 10 minutes, je saurai plus pourquoi je cherche du grès. Je me demande si tu le sais encore. Pour une source. Et il va faire jour. Ouais, je vais rentrer. Tu vas encore te plaindre que tu es morte de soif ou de faim. Oh, je suis à 4-3 sur 4 en grès. Bah tant pis, je rentre. Tu viens, feu follet. Accompagne-moi. Est-ce que j'ai du grès sur moi? Non. C'est
c'est pas grave, hein, je suis juste au niveau d'un portail, donc... Je peux me TP. Voilà. Alors, est-ce qu'il sait TP avec moi? Bah non, on dirait pas. Par contre, bah ouais, secret de la prairie, je vois bien. T'as trouvé une stèle? Eh ouais. Bah malheur. Ah voilà, ça y est. Je vais pas. Je forgeais les arbres, du coup ça ressemblait à rien d'autre chez nous. Alors d'ailleurs, le compost. Where is le compost? Je peux peut-être mettre des choses dans le compost. Alors, moi... J'ai un portail là. Un petit peu de ça. On va essayer d'aller faire celui-là. Je vais aller planter ça là-bas. Est-ce que j'ai un gland? Pas de gland. Faut que je trouve des glands sur le trajet si je veux refaire le portail là-bas. Voilà. Trois sur huit. Est-ce qu'on peut l'élargir? Oui, j'ai ce qu'il faut. Oh bah ouais, allez, tentons. J'ai faim. Ah, il y a des méchants. Et j'ai faim. Yes, un nouvel hôtel. Stèle des marais. Alors, ça c'est fait. Oh, un coffre. Alors... Je vais ranger ça.
vais ranger ça. Inspecte en approche. Ah oui, je l'ai pas placé, je suis un peu con. Moi, je fabrique des trucs et j'oublie de les placer. Je ne dirai rien. Merci. Bah, j'en pense pas moins. Oula, la tombe humble là demande un paquet de trucs. Bleu ciel, graine d'amarante, tige de rail jaunant, de l'eau et de l'essence, ok. C'est-à-dire que tige de rail jaunant, on sait pas faire ça, nous. Ouais, non. Effectivement. Non, j'ai pas pris de grès, donc j'ai pas ce qu'il faut pour améliorer cette source. Par contre... pas du tout ce que je voulais faire. J'ai peut-être moyen... d'aller... chercher le bleu follet qui est par là. Ah ben non, on est deux jours. Faut pas que je m'attende à trouver un bleu follet alors qu'il fasse jour. Ouais, ouais, va falloir que je revienne en arrière, j'ai pas le temps d'aller... peut-être même crever si ça se trouve. J'ai soif. Bah oui, on a soif très vite. Surtout moi là où je suis, le sel plus la journée. Voilà, je suis de nouveau à l'ombre, ça va déjà être mieux. Et y crever. Heureusement, j'ai trouvé des trucs à bouffer qui me redonnent de la flotte. Ouais, ça c'est bien. Rencontrer le titan crabe, oui. Alors si c'est cette structure-là, d'accord, mais s'il faut affronter un titan... Tant crabe. Oui. Bon état. Ah, je peux plus en manger. Ah. Ben voilà, je suis mort. Bon, et je sais plus où j'étais. Ah, t'inquiète pas, il te le dira. Voilà. C'était par là. C'est vrai que je peux agrandir un peu la prairie aussi avec nous. Nos graines.
Ah non, mais... Je viens de boire déjà! Je jure, je suis pas alcoolo! Je vais aller faire dodo. Pour la peine. Ouais, mais si je dors pas aussi, je crois que ça accélère pas le temps. C'est pas impossible, ouais. Bon, en tout cas, j'ai récupéré mon inventaire. Là, je vais retourner au portail. Vite l'outre. Ouais. Après, on peut avoir une meilleure outre normalement et où du coup elle perdrait moins facilement son eau. Mais on va voir ça dans le prochain épisode, je pense. Oui, effectivement, on va du coup se quitter là. On a quand même. Je rentre à la maison. Ouais, je te laisse rentrer à la maison. Ça y est, je te vois. Eh oui. Eh bien, du coup, mon cher Broudaf, il est temps de se quitter. Tout à fait, je te laisse dire au revoir. Oui, bah merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir la vue de Broudaf sur la chaîne 119 minutes et plus. Et on vous dit à très bientôt pour la suite. Bye bye. Et oui, et n'hésitez pas. Bye bye, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus et à partager les liens des deux vidéos. Oui. Allez, à bientôt. Bye.